Hello! Alors, super contente parce qu'on est là pour un café plante, super émue parce que c'est le dernier café plante par ici. Mais vous inquiétez pas, il y en aura d'autres, mais dans la maison, puisque vous le savez, je vais déménager. Donc Déménager. c'est parti parce qu'il y a des petites choses que je veux vous montrer et je vais vous expliquer un petit peu comment je vais déménager mes plantes. On va même faire une partie ensemble, donc go! On a deux, trois petites choses à faire par ici. On a le Raphidophora tetrasperma. Regardez-moi ça. La bouture, j'ai bouturé il y a quelques temps avec vous en café plante. La bouture a sorti une feuille. Donc j'étais super contente jusqu'au moment où j'ai vu qu'il y avait une seule découpe. Donc je me dis, elle est clairement plus à l'aise là dans l'eau. Il est temps de la rempoter, de la mettre en pot. Elle sera bien mieux. Il y a aussi mon Philo Burlemarx variegata. Alors j'ai un double souci. Le premier, c'est que j'ai appuyé, je pense, sur la feuille, ou alors c'est le loup, toujours est-il que on a un petit souci et il faut que je fasse un petit tutorage. J'avais l'idée de mettre une paille, vous m'aviez conseillé ça sur Instagram, mais je n'ai pas de paille sous la main, donc il va falloir que je bricole autre chose. Et il m'a sorti aussi une feuille, mais c'est un peu la déception. Question variegation, on n'a pas grand-chose. On en a un peu là et puis c'est tout. Donc bon, vivement la prochaine, parce que celle-là, bon, elle est un peu décevante. Est-ce que vous vous souvenez, dans mon dernier café plante, j'étais en PLS parce que ma petite pelle était rouillée et j'étais vénère. Eh bien, j'ai réglé mon problème. Donc j'ai cette super jolie pelle avec un décor mais tellement, tellement mignon. On a des abeilles et des fleurs et devinez quoi? Tadam! J'ai aussi les gants et le sécateur assorti, donc autant vous dire que c'est du bonheur. Alors tout ça, si vous voulez le trouver, vous pouvez le trouver chez préajardiner.com. Alors je ne suis pas rémunérée pour vous en parler. On a mis en place par contre un système d'affiliation, donc j'ai découvert cet e-shop qui vend pas mal d'outils, outils, matériel, tout ce que tu veux pour les plantes d'intérieur, mais aussi pour le jardinage en extérieur. Et alors comme moi, je vais avoir la maison, vous le savez, je suis vraiment hyper contente. Donc j'ai commencé à tester ça. J'ai un autre petit truc à tester. Chez eux aussi, on verra ça un petit peu plus tard dans le café plante. Voilà, donc on va voir désormais ces petites choses qui vont devenir mes chouchous. Et je vous invite à aller découvrir le site parce que je le connaissais pas du tout, j'étais jamais tombée dessus au fil de mes recherches. Mais on trouve des petits trucs quand même bien sympas. Donc, ouais, il y a pas mal de choses qui me tentent bien. Donc, j'étais raisonnable parce qu'ils ont eu la gentillesse de m'envoyer les produits. Donc, j'étais raisonnable, j'ai demandé ce petit set et puis j'ai un autre petit truc et puis vous allez voir. Vous allez voir, c'est très très chouette. En attendant, cette petite pelle, on va l'étrenner puisqu'on va rempoter notre petite Raphidophora tetrasperma. Ah mais non. Non mais comment ça? Bah je veux pas. Bah, si on va te rempoter, mais regarde la tête de ta dernière feuille. Pas question, je m'en vais. Non, 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 il n'y a pas moyen, je te... Mais tu vas revenir? Au terme d'une rude bataille, j'ai pu reprendre la main et commencer à rempoter mon Raphidophora tetrasperma. Alors vous le voyez, c'est le danger des boutures qu'on met ensemble dans le même pot, les racines sont emmêlées. Là, on pourrait encore les démêler, mais comme je vais planter les deux dans le même pot, je m'en fiche, je les laisse comme ça, je les laisse tranquilles, mais là, ce serait encore faisable. Et voilà, elle est pas mignonne comme ça. Le pot est tout petit, ne jugez pas la taille du pot. J'ai décidé de ne pas la mettre dans un truc trop grand pour deux raisons. D'une, je déménage bientôt, donc on va éviter d'en mettre trop, d'en faire trop. Et de toute manière, quand elle avait bien grandi, qu'elle faisait plus d'un mètre de long, elle était dans un petit pot un peu plus grand que celui-là, mais à peine. Donc elle n'a pas forcément besoin de beaucoup de place, elle a surtout besoin d'amour. Et puis qu'on la nourrisse aussi avec un peu d'engrais. Voilà, je repense à un truc, j'étais en train de penser à l'arrosage et je me suis dit, mais je vous ai dit une bêtise, je vous ai dit que j'ai reçu le set avec les abeilles et le petit truc que je vais vous montrer après, mais j'ai reçu un autre truc de la part de préajardiner.com et en fait, ça s'est tellement intégré à ma vie de plante addict que c'est comme si je l'avais toujours eu. Écoutez, je vous montre ça tout de suite, ça se passe dans la cuisine. Vous avez vu cette petite merveille? Franchement, alors c'est un petit arrosoir, enfin un petit arrosoir, on a plus d'un litre hein, quand même de contenance. Et en fait, moi il me sert parce qu'il y a le petit trou en haut pratique et il n'y a rien qui passe au-dessus. Donc ça me sert pour vider mon eau. Vous savez, toute l'eau que je récupère dans la cuisine, un verre qui n'est pas terminé, de l'eau qui a servi à faire bouillir des œufs par exemple. Donc j'ai toujours un petit récupérateur d'eau et avant c'était mon truc bleu tout moche. Attendez. Moche, tout beau, tout moche, tout beau. Non,
il est magnifique celui-ci. Très pratique à l'arrosage parce que du coup je m'en sers directement comme arrosoir. Celui-là je reversais dans un autre arrosoir. Ça aurait pu, il y avait un mec verseur, mais voilà. Donc je suis vraiment contente de cette petite beauté, ça pimpe mon intérieur et ça va le pimper d'autant plus que je vais déménager, avoir une petite maison et tout, donc ça va être tout joli plutôt que d'avoir le vieux truc bleu que je garde, hein. Tout de même ça va servir. Hein. Est-ce que vous vous rappelez de mon Aeskinanthus qui était parti à me faire des tiges avec des feuilles sans variegation? J'avais taillé. Voilà, je m'étais dit stop, je taille, et a priori ça manquait de lumière et d'engrais. Eh bien, regardez. On est d'accord. Ce sont des variegations. On est d'accord. Et ce ne sont pas les seuls. J'en vois aussi là, mais carrément. En mettant la caméra à droite, hein, c'est un peu mieux, on a moins le mal de mer. Donc je suis très très contente, là j'ai l'impression que ça repart bien. Alors je n'ai pas pris le temps de mettre de l'engrais, enfin je me rappelle pas. Je sais que j'ai pas mis un dé à pousser parce que j'ai une réserve. Et je crois que j'ai fait un apport d'engrais tout récemment, mais je suis pas sûre du tout. Je me rappelle plus du tout. Je me rappelle plus si je l'ai fait pour celle-ci ou pas, et je l'ai pas noté. J'ai pas eu le temps avec le déménagement qui approchait. En tout cas, elle était là sur la barre. Un petit peu de focus, merci. Donc elle était plutôt là. Je l'ai décalée là, donc plus près de la lumière qui vient de derrière et puis de la fenêtre. Et puis ben voilà quoi. Alors est-ce que le... Oh là là, oh là 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 là. Ça va être très très chouette. Tadam, c'est reparti pour un petit shoot de caféine. D'ailleurs ça, ce sont des dosettes compostables de Marc Méo. Alors je vous en ai parlé sur Instagram. Là je suis pas rémunérée du tout pour vous en parler, mais comme j'aime bien ce café et que les dosettes sont compostables, je vous le dis, vous pouvez avoir une réduction avec le code de Carole20 de mémoire, c'est ça. Donc je vous mets le lien en barre d'infos si jamais, parce que je suis très très contente. C'est un partenariat au départ, mais je suis hyper contente d'avoir découvert ces cafés. Donc voilà, c'est le bon plan. Alors, et on va peut-être gérer la chose là. Voilà, ce qu'on va faire maintenant, c'est un petit œuf dans lequel je vais faire pousser du basilic. Je crois bien que c'est basilic que j'ai choisi. Ouais, basilic. Voilà, donc c'est tout simple, c'est tout chou et j'aime bien parce que je trouve que c'est une bonne idée cadeau. Voilà, on va pas en faire plus parce qu'on ne veut pas tout casser. Alors ensuite, il faut arroser doucement, donc je vais utiliser mon petit arrosoir, justement, il va tranquillement. Alors en fait, il y a déjà des graines dedans, ils nous mettent quand même un petit sachet en plus, au cas où ça foire. Voilà. Ça peut foirer si jamais en arrosant, les graines s'enfoncent trop. Donc on arrose tranquillement jusqu'à ce qu'il y ait de l'eau dans la soucoupe. Et ensuite, on va passer à une température de 16 degrés minimum pour que les graines puissent germer. C'est du basilic, donc 16 degrés. Puis ça, je reviendrai vous en parler d'ici quelques temps en Café Plante et puis sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour voir ce qui va se passer dans cet œuf. Et voilà. Alors normalement, ce petit truc, il contient ce qu'il faut pour que ça puisse pousser pendant 5 mois. Donc c'est plutôt sympa, franchement. Voilà, je vais le laisser là et puis je le placerai au soleil une fois qu'il y aura les petites pousses. Alors je parie un truc, je vous le dis tout de suite. Je pense que Loulou va me demander si c'est un œuf de dinosaure. Voilà, on prend les paris et on verra ça... Je vous en reparlerai. On continue, j'ai enlevé l'éclairage parce que là on va bouger, on va partir un petit peu partout, j'ai des plantes. Je vais vous montrer lesquelles je pense que je vais emmener moi-même parce que j'ai trop la trouille, vraiment j'ai trop la trouille que ça les abîme. Je vous avoue que j'avais pas réfléchi vraiment aux conséquences du déménagement par rapport aux plantes, je voyais ça comme un transfert. Et maintenant que je commence à emballer les affaires, je regarde mes plantes et je me dis non. Ça me fait vraiment peur. Donc il y en a certaines, va bien falloir que je les confie aux déménageurs. Je sais comment je vais faire, on va en parler juste après. Mais d'abord je veux voir lesquelles je vais transporter moi-même d'une façon ou d'une autre. Ici on a le Philostatum. Alors vous voyez, il est quand même
Il n'est pas encore tuteuré, ça je verrai ça plus tard pour le soutenir. Mais du coup, il est tellement beau. Et puis regardez, il a une telle envergure, je ne peux pas trouver un moyen de l'encartonner de manière à ce que ça se passe bien. Donc lui, il va venir avec moi. Le caféier va venir avec moi aussi parce que je l'aime trop. Et il peut avoir l'air transportable, mais je veux être trop trop sûre qu'il ne s'abîme pas. Le burrito, lui, je vais l'emballer. Hein. Va falloir qu'il survive. J'emballe. J'emballe. La Pictum tricolore, je vais la trimballer moi-même aussi, hein. Sans surprise. Je pense que vous pouviez vous en douter. Ici. Ta-da-da-dam. Ta-da-da-dam. Oh, Mamma Mia! New leaf, nouvelle pousse, nouvelle feuille, les gars. Ta-da-dam. C'est mon nouveau Philopping Princess, donc je suis hyper contente. Alors là, voyez ma vie est un carton. Ta-da-da-dam. Les chlorophytum qui vont mieux, j'espère qu'ils vont pas être trop traumatisés. Oh, lui, je l'emmène à la main. Il n'y a pas moyen que je l'emballe. Vous avez vu ça, c'est ma maman qui me l'a offert. Je l'avais repéré chez mon fleuriste et j'aimais trop. Et un coffret senteur. Je ne l'ai pas encore ouvert parce que j'attends d'être dans la maison. Hein. Je savais que les choses allaient sûrement se décanter à ce moment-là. Mais voilà. Je peux l'emballer. Il y en a une dont on n'a pas parlé, c'est la Monstera Variegata. Alors elle, clairement, je vais la ramener aussi à la main, enfin en voiture, après avoir fait l'état des lieux de l'appartement, une fois qu'il sera vidé. Ouais, c'est sûr. Il y a aussi le White Ghost. Alors lui, forcément, je vais l'emmener à la main. Il n'y a pas moyen que j'emballe cette beauté ou que je la mette dans le camion. C'est pas possible. Et vous avez vu, j'ai commencé à débarrasser là. Attention, une fleur parmi les fleurs, c'est fini, il y aura plus de décor, on va... enfin, une fleur parmi les fleurs, c'est pas fini, c'est le décor qui est fini. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, je rebondis, il y a un truc qui m'a fait sourire parce que j'ai posté là, je vous filme ça dimanche, j'ai posté la vidéo où je vous explique que je déménage. Et l'une d'entre vous a dit un truc, mais trop mimi, elle m'imagine déjà en vélo avec un panier pour transporter mes plantes dans ma maison, et un peu à la façon d'E.T., vous savez, et c'est trop chou, mais ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça. Voilà, donc ça va être en voiture et les autres, je vais les emballer. Vous savez ce que je vais faire en fait? J'ai eu une idée. Je vais enlever les cache-pots. Ça, je vais le commencer avec vous. Je vais enlever tous les cache-pots. Comme ça, je vais les emballer eux séparément. Et après, mes plantes, au dernier moment, je vais les emballer comme quand je les emballe pour faire des envois pour le shop. Avec du papier craft, patati patata, plusieurs dans un carton allongé. Et puis après. On croise les doigts. Et puis, pourvu qu'il n'y ait pas trop de dégâts, parce que si je... Ah, le Peperomia Hope. Là. Okay, mais, et on voit pas mon doigt. Le Peperomia Hope, là, je vais peut-être l'emmener moi-même aussi, parce qu'avec sa belle cascade... Voilà, on va avoir des surprises. Il y en a sûrement que je vais emmener finalement moi-même et que je vous avais dit que non, mais voilà. Et donc, au dernier moment, il y en a que je vais... On a beaucoup de lumière, là, je sais pas pour... Écoutez, j'ai la flemme de régler tout ça. On va faire avec ma surexposition et puis voilà. Donc, je suis hyper contente quand même d'avoir réussi à vous faire ce café plante. Je crois que je vous ai montré tout ce que je voulais. Il y a un petit truc, un petit dernier truc. J'ai retrouvé ça en cherchant le tuteur pour réparer le... Philo, Burle, Marx, Variegata. Et j'ai retrouvé mon carillon. Et je vais pouvoir le mettre dans mon jardin. Il y a autre chose que j'ai retrouvé, c'est mon hamac. Il ne me manque plus qu'un pied de hamac à un prix raisonnable. Et je pourrai installer le hamac dans mon jardin. Voilà. Je suis hyper contente d'avoir réussi à filmer ce café plante. Maintenant, il va falloir que je réussisse à faire le montage. J'aimerais bien vous le poster mardi, donc on croise les doigts et puis voilà, je suis hyper contente. Je voulais vous remercier aussi de toute votre gentillesse, tous vos petits mots gentils sur mes dernières vidéos, sur celles où j'annonce le déménagement, mais aussi sur les autres. Vous me donnez la pêche, la patate, l'envie de continuer. Je suis heureuse qu'on soit là, que ça vous plaise les vidéos. Voilà, donc je crois que je vais vous placer ça au début pour que tout le monde l'entende. It's so good to see you. We do this every day, and
And I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two. Merci d'avoir regardé ce Café Plante et puis on se retrouve le plus vite possible. Est-ce qu'il y aura une autre vidéo entre temps? Je sais pas. Dans l'absolu, j'adorerais vous filmer un dernier balcon vlog, mais les choses prennent 3 fois plus de temps à faire quand on les filme, donc bon. On va voir combien de temps il va me rester. Les plantes du balcon, ce sont les déménageurs qui vont s'en occuper. Pour toutes, il n'y a pas d'exception. Ouais, peut-être mis à part l'Oxalis carnosa. Ouais, je vais voir. Le Lucas spiralis. Ouais, je vais voir. Voilà. Bon, bref, en attendant, est-ce qu'on se revoit? Est-ce qu'on se retrouve dans la maison? Je ne sais pas. En tout cas, merci de votre présence. N'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos si vous vous ennuyez. En attendant, je suis sûre qu'il y en a plein que vous n'avez pas vu d'ailleurs. Voilà. Et puis, à tout bientôt.